Yes, poisson, voilà. Je me disais bien qu'il y avait des traces sur l'heure. Ouah, il est vénère. Et ouais. Il est pas content. Ah là là. Oh, il est joli. C'est un joli brochet. Et ouais, j'ai vu des traces. Enfin, j'ai senti un gratouillis, j'ai vu des traces sur le leurre. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, je pense que le leurre, il est neuf quand même. Et voilà. Et ça, c'est fait. Avec le leurre de Romain, Shutterbait Fish Lose. Marque malheureusement terminée. Waouh, 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 viens là, Coco. Il est pas vilain. Un poisson maillé. Voilà, au Shutterbait, coup du soir. Alors, problème, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'est pas piqué. Il n'est pas piqué comme je l'aimerais. Il est piqué du mauvais côté. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Allez, tu m'as vu. Tu m'as vu, tu m'as vu. Ouais. Oh la vache. Couillon. Voilà, un poisson tout en muscle. Hein. Poisson très nerveux. Hop là, voilà, piqué juste au bord. Nice. Je vais le poser dans l'herbe mouillée, juste. Voilà. Bah voilà, hop, parfait. La tête dans l'eau à moitié. On va juste le mesurer vite fait. 23. 46. Hop. Voilà, poisson qui fait 70. Poisson de 70 cm à peu près. Voilà, magnifique. J'espère qu'on voit bien la caméra. Voilà, voilà. Hop là, et qui repart comme une bombe. Parfait, ça. Yes. Ça fait plaisir. Enfin, un beau poisson, tiens. Le joli ragondin. Allez, va-t'en d'ici, moi je veux lancer. Oh non, mais c'est abusé. C'est abusé, comment il tape court. Regardez ça, je me suis fait... Putain, je me suis fait bouffer la queue du leurre, quoi. Oh là là là. Là, il y est. Punaise. Oh, ça aurait été dur. Ça aurait été très très dur de faire un joli poisson. Et puis en plus, il n'est pas énorme. Hein. Oh là là là. Sacré caractère en ce moment, les brochets. Hein. Et viens là, Pinky, là. Hop. C'est toi qui m'as coupé la queue de mon leurre. Hein? Chut, 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 chut. Oh là là. Et voilà. Un joli petit brochet. J'espère que vous le voyez bien. Hop. Hop. Il y est, il y est, il est. Hop là, voilà. Il doit être piqué sur la mâchoire supérieure. Il se bat en essayant de reculer. C'est souvent. Ils se battent souvent comme ça quand ils sont piqués sur la mâchoire supérieure. Allez, viens là. Oh là là, c'est vraiment des zizi quoi. Oh. Les tout petits brocs sont super actifs. Ils tapent même sur des gros shutterbait comme ça. C'est assez marrant. Voilà mon coco. Hop là. Hop.
Je le repose tout de suite sur l'herbe encore fraîche pour éviter de trop le tirer par le dessus de la gueule. Et ouais, parce que vous voyez, quand il se pique sur le haut comme ça, ça fait un sacré trou, c'est pas terrible. Voilà, un tout petit pike. On va le remettre rapidement à l'eau. Voilà, et bon. C'est calé juste là. Et il est reparti, comme une fusée. Voilà, très peu de manipulation, c'est ce qu'il y a de mieux pour les petits brochets comme ça. Yes, poisson. Ça y est. Ouah, il a fallu aller le chercher loin lui dans les herbiers. Oh, il est pas gros. C'est pas gros, ça vient tout doux. Ça vient tout doux. Et ouais. Allez, hop. Viens par là. Viens par là mon coco. Ouais, c'est un petit sifflet, hein, mais. Petit sifflet qui se défend bien. Pas facile à dropper par contre. Oh, va pas te faire de mal, Coco. Je sais que tu fais tout pour te sauver. T'as bien raison, faut que tu sauves ta peau. Mais aujourd'hui, moi, je t'en mets à l'eau. Eh putain. Excuse-moi, je suis désolé. Je te remets à l'eau comme je peux. Et on sent la fatigue du jour là qui commence à arriver. Hein. Oh là là. C'était pas propre, bordel de merde. Bon, prochaine fois que je pêche ici, par contre, je prends une épuisette parce que là, c'est pas terrible de dropper les poissons comme ça. J'aime pas ça du tout.